En pleine épreuve qualificative, Jérémy laisse échapper un mot tendre à son binôme Alexandre. Un moment d'égarement qui a bien amusé les deux représentants de la brigade orange de Top Chef 2023. Décidément, il y a de l'amour dans l'air sur le plateau de Top Chef. La semaine dernière, Jacques déposait un bisou sur l'épaule de Dany en pleine épreuve éliminatoire après lui avoir filé un coup de main. Un geste qui avait étonné et déstabilisé le représentant des Bleus. Pourquoi t'es rouge, Dany ? Lui avait alors lancé son homologue violet. Il essaie de me pécho. Si est Top Chef est dans le pré, avait alors répondu avec humour le jeune homme originaire de Rosny-sous-Bois, faisant référence au célèbre programme de dating champêtre de la 6. La température monte encore d'un cran dans Top Chef cette semaine. Et cette fois, si est du côté de la brigade orange que ça se passe. Si est le début d'une bromance, Alexandre et Jérémy très complices dans Top Chef 2023. Pour cette troisième semaine de compétition, si est autour de la street food que la moitié des candidats est testée en binôme, en respectant les brigades. Immédiatement, le feeling passe entre les protégés de Glennevielle, Jérémy et Alexandre. Sur la même longueur d'onde, les deux doyens de la saison tombent d'accord sur une idée simple, revisiter le bœuf bourguignon afin de pouvoir le manger du bout des doigts en marchant. La communication est fluide, chacun prépare des éléments du plat pour l'autre, bref, tout roule entre les oranges. Si est notre premier binôme, on apprend à se connaître. Et ça marche plutôt bien. Si est vraiment cool, analyse celui qui s'est installé à Montréal. Si est le début d'une bromance, ajoute alors le Parisien, provoquant l'hilarité du duo. Top Chef 2023, le lapsus de Jérémy amuse beaucoup Alexandre, l'alchimie est telle qu'ils se répondent du tac au tac. Alors que Jérémy trouve ce feeling prometteur pour le futur, Alexandre se réjouit de cet échange en clamant, si est-il beau ce que tu dis. Dans un élan de spontanéité, Jérémy lâche alors un ah merci mon amour, dont il se rend compte immédiatement. Une séquence qui a bien fait rire les deux principaux concernés, tant la phrase semblait sortir du cœur. Mais pas vraiment adressée à son binôme. Jérémy devait certainement penser à son épouse Catherine. Une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer avec ces deux-là. À lire aussi, il est vraiment trop drôle, il n'est pas du tout concentré. Les énormes bourdes de Jean, Top Chef 2023, font beaucoup rire les internautes.